Victoria et David Beckham sont arrivés au mariage de Meghan Markle et du prince Harry. Bien au-delà de leur notoriété, ils ont attiré les regards pour une autre raison. Victoria Beckham s'est présentée à la chapelle Saint-Georges, à Windsor, habillée entièrement en noir. Vêtue d'une robe à la coupe droite en soie bleue nuit, presque noire mi-longue, Victoria Beckham a particulièrement étonné notamment sur les réseaux sociaux. D'autant qu'elle ne s'est pas arpentée là. Ses escarpins et le bibi qu'elle avait choisi comme couvre-chef étaient eux aussi dans des tons très foncés voire noirs. Le noir est strictement réservé aux funérailles et autres commémorations à la connotation funéraire dans la famille royale. Si la petite robe noire est un classique facile et chic en France, elle est très mal vue outre-Manche et surtout dans un événement royal où les tenues doivent se cantonner à une palette de couleurs pastel ou vives. Rose, jaune, vert amande, bleu ciel. Mais pas le noir n'a pas sa place dans les allées d'un mariage royal anglais. Le couple Beckham est proche de la famille royale anglaise depuis des années. Ils étaient déjà présents lors du mariage du prince William et de Kate Middleton en 2011. I think.